une annonce qui avait ravi les fans. Jeudi 10 novembre 2022, dans les colonnes du Parisien, Michel Sardou avait annoncé qu'il allait repartir en tournée en octobre 2023. Avec humour, le chanteur avait indiqué « Moi, je ne suis pour rien dans mon retour. Pour rien. Je ne voulais pas revenir. Mais je me suis fait avoir dans les grandes largeurs par ma femme. » Mercredi 18 janvier 2023, sur le plateau de BFM Story, sur BFM TV, celui-ci a accepté de révéler ce que sa femme lui avait dit pour le pousser à remonter sur scène. Ma femme m'a dit, si tu t'arrêtes définitivement, tu vas t'ennuyer et tu vas regretter les grands moments, le public, a-t-il lâché, avant de glisser, j'ai la chance d'avoir un public qui m'aime bien, qui connaît mes chansons, qui me connaît moi et qui m'accueille à chaque fois avec beaucoup de chaleur. Souhaitant innover avec cette tournée d'adieu, Michel Sardou a par ailleurs fait savoir qu'il ne voulait pas faire un copier-coller de ce qu'il avait fait la dernière fois. Voulant repenser ses plus grands tubes, le chanteur a déclaré sur le plateau de l'émission, « Vous allez les réentendre, mais d'une façon différente. L'essentiel sera sauvé, je ne vais pas changer les mélodies et les paroles, mais je vais le faire d'une certaine façon à laquelle les gens ne s'attendent pas. Je veux les surprendre avec ce qu'ils connaissent déjà. » Fier de cette tournée, l'artiste a ajouté, « On a inventé un système, je crois qu'on ne l'a jamais vu en France, et vous allez en prendre plein la gueule. » Sur les intros, la façon d'orchestrer, d'habiller la chanson, de la mettre en scène. Michel Sardou, le chanteur, remonte-t-il sur scène uniquement pour l'argent? Quelques années plus tôt, l'artiste avait déjà effectué une tournée d'adieu en 2017-2018. Alors que son retour interroge, Jean-Marie Perrier avait pris sa défense. Vendredi 11 novembre 2022, sur Instagram, celui-ci avait assuré, « Mon beau-frère décide de revenir sur scène. » Alors bien sûr, j'entends dans les médias, « Ah, il avait dit qu'il arrêtait, quest ce que ça veut dire ?» Ça signifie que comme tous les artistes qui ont vécu de leur passion, il peut difficilement s'en passer. Agacé, celui-ci avait ajouté, « La seule tournée de trop, si est-il celle qu'on fait uniquement pour l'argent ?» Je suis certain que ce n'est pas le cas.